Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, sauf quand on s'appelle Nabila et Thomas Vergara. Après une escapade sexy au Brésil, les deux tourtereaux se sont envolés pour les États-Unis où ils sont partis à la conquête de l'Ouest américain. Des vacances de rêve qu'ils ont décidé de partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les vacances ont viré au cauchemar dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, alors qu'ils étaient à Las Vegas, les deux tourtereaux se sont fait arrêter par la police. Une scène qui a été immortalisée sur Snapchat par Thomas. Visiblement paniqué, le jeune homme s'exclame « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nabila ne semble guère être plus détendu que son compagnon. Que tout le monde se rassure toutefois, Nabila et Thomas ont depuis repris le cours normal de leurs vacances. En effet, il ne s'agissait que d'un simple contrôle routier. Tout est bien qui finit bien, et ce même si cet épisode a dû leur rappeler des mauvais souvenirs. Accusé d'avoir poignardé Thomas, Nabila a été placé en détention provisoire pendant 5 semaines au mois de novembre 2014. Il aura fallu attendre le 19 mai dernier pour connaître le verdict du procès. La célèbre bimbo a été condamnée à 24 mois de prison, dont 6 mois ferme. La fin du cauchemar pour les deux tourtereaux qui sont aujourd'hui libres de s'aimer. Ne forment-ils pas un beau couple ?